Et comme vous savez, en préparation de l'année estivale 2024, les plages de d'Arboisa ont bénéficié d'un aménagement particulier. Et sous les directives de M. Abdellah Chater, le gouverneur de province Nouassal, et sous la surveillance de M. Hicham Rafir, le président de la commune d'Arboisa, en collaboration avec les autorités locales, on a aménagé la plage de Tamaris 1, Darkouch et de Wadmerzeg Norris, y compris des installations qui aident à faire une bonne gestion à notre plage. Y compris, on a aussi un local sur la plage des premiers soins. On a une installation de radio-plage pour la sonorisation et le DJ. On a des espaces de jeux enfants. On a une bibliothèque pour les enfants. Des sanitaires publics, y compris des sanitaires pour les handicapés aussi. Il y a un recyclage chaque matin des sables avec des tractopelles et des machines spéciales à faire refaire notre sable. Il y a aussi des poubelles partout. Et il y a aussi un plan à long terme pour des nouvelles installations, et spécialement à Wadmerzeg Nawras, qui sera plutôt aménagé cette année avec un budget de 2 millions de dirhams. Alors, la plage de Tamaris 1, il est prêt pour recevoir les citoyens bouazzaouis et aussi de la région de Casablanca Stage, pourquoi pas. Les Marocains résidant étrangers aussi, soyez les bienvenus. J'ai l'habitude de venir à cette plage ici à Tamarès, j'habite à côté. Et cette année, on est venu, moi et mes enfants. Même mes enfants, ils n'ont même pas reconnu l'endroit. Parce que le parasol, c'est très très beau. Ça me fait rappeler le nord du Maroc, vers Capo Negro, Martil, tout ça, Sania Torres, Marina Smir. Ben, ça ressemble un peu, c'est propre. Et franchement, je vous recommande de venir ici, comparé aux années dernières, parce que moi je connais très bien la plage. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est venu, on était vraiment, vraiment, vraiment étonnés de la propreté et de l'accueil. Et je recommande à tout le monde, venez ici à Tamarès, c'est vraiment très bon. Alors nous, quand on est arrivé, mes enfants, ils ont pas reconnu l'endroit, même moi. Donc dès qu'on arrive, le parking, tout ça, c'est très propre, c'est bien construit. Pour descendre à la plage, d'habitude, on avait des difficultés pour descendre. Après, les parasols, ben, ils sont implantés, donc c'est gratuit. Déjà, alors d'habitude, tout le temps payant, ou bien il faut prendre son parasol. Et là, c'est bien structuré, c'est bien équilibré et même les enfants, ils sont contents. Donc on reviendra, ça c'est sûr. Donc le Maroc, il va de l'avant et puis franchement, ça fait plaisir.